Hello tout le monde, c'est Akurio, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode, je pense c'est le 11e épisode sur Pokémon Jaune. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'absence de vidéo depuis facilement 2 semaines, je pense. Mais j'étais occupé à faire des tests pour le Roxio. Et c'est un semi-échec. Car la synchronisation des vidéos est assez complexe à faire. Il faut que j'essaie de mettre des repères pour essayer de savoir quand couper la vidéo. C'est assez compliqué à faire, donc je travaille beaucoup dessus, mais c'est chaque fois à découper millimètre de millimètre de par vidéo par vidéo pour essayer de faire tout correctement. Donc c'est vraiment galère, et je vous avoue que j'ai failli faire un semi-fail, enfin un fail complet en fait, parce que j'avais commencé un enregistrement juste il y a 30 secondes avec une autre sauvegarde de Pokémon Jaune que j'ai sur mon ordinateur principal. Et j'allais être beaucoup plus loin, j'allais en fait refaire l'épisode 10, ce qui n'était pas très très logique. Bon, alors aujourd'hui donc je vous montre vite cette truc là pour vous montrer. Donc on a 2 badges et 13 Pokémon qui ne sont autres que Reptincelle niveau 18, notre beau Reptincelle que nous avions fait évoluer dans l'épisode précédent, Pikachu, Boostiflore, Rookups et Nidorino. Je pense que ici on était en level up sur les Peyo ici. Donc, ouais, pas de ma faute si je suis nul. Ouais, si c'est de ta faute, t'avais qu'à pas me provoquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre là? Laisse-moi. Bah ouais, je t'ai mis ta branlée, t'es pas content. Toi, ah, tu veux que je te cogne? Mes Pokémon sont prêts. Bah les miens aussi. Et tu vas connaître la fureur du dragon. Gamin veut se battre, ah ben, tu te mets une patate. Une tatane dans ta gueule, tu vas adorer ça. Reptincelle, c'est parti, Flamèche. Alors j'espère que tout le monde, que vous allez tous bien évidemment, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Je suis parti pour une session de 2 ou 3 heures pour enregistrer, comme ça je vais vous proposer du contenu, enfin j'aurai du contenu en stock du moins pour quand je les uploaderai. Et je vais me faire prendre une baffe par ce trou de balle. Voilà, de Nidoran, mais c'est réglé. Donc là, je suis parti pour une petite session au moment où je tourne, donc de 2 ou 3 heures de tournage. Nidorino. Alors, normalement, est-ce que j'ai de quoi soigner? Super potion, mais voilà. Voilà. Donc je vais pouvoir tourner plusieurs épisodes, passer ma soirée sur Pokémon. Et comme ça, bah, j'aurai du contenu. Et j'aurai de quoi proposer. Alors non, tu vas pas m'emmerder, toi tu vas pas me le buter non plus. Alors je vous promets même, moi je suis un... Enfin je vous préviens, je suis un joueur assidu à Pokémon, donc je vais dans le fond des choses. Bon, peut-être que vraiment les phases trop de... d'entraînement où j'aurais rien à faire, où je n'aurais que de l'entraînement à faire, je ferai ça en off, mais... je ne sais pas si je commenterai les vidéos. Je verrai bien en fonction de l'inspiration que j'ai à ce moment-là. Si je joue, autant que ce soit sur en on, pour que vous ayez tout le contenu. Nigotage, ouais. Et il brûle dans les flammes de l'enfer. Et alors là, je suis occupé à télécharger des jeux pour PC pour pallier mon problème sur la Xbox en fait. Tourner sur PC au lieu de tourner sur Xbox, donc je n'ai pas vraiment trouvé de moyen efficace ou de pro pour faire la synchronisation. Parce que je vous promets que c'est un truc galère. J'ai
Je filme l'enregistrement, enfin le dans l'enregistrement je filme donc avant de lancer le jeu et avant d'appuyer et tout, j'enregistre le bruit du bouton quand j'appuie pour lancer le jeu, mais au montage j'ai toujours un décalage, alors on entend que je suis occupé à fouiller un endroit. Ben, on voit que je suis occupé à fouiller un endroit et puis quelques secondes plus tard on a les commentaires. Donc ça me pose un sacré souci de qualité parce que je ne veux pas proposer de la qualité de merde et je veux que ce soit que mes vidéos soient correctes. Toi, je t'ai déjà mis ta tatane. Ouais, je t'ai déjà mis une barre dans ta gueule. Tatane derrière l'oreille et on n'en parle plus. Oui, non, je suis occupé à faire un peu de level up pour entraîner. Oh mince, j'ai oublié de soigner Reptin, celle. Bon, je suis occupé un petit peu à entraîner mes Pokémon pour aller battre le Major Bob. Et récupérer, ben, comme vous avez pu le comprendre dans l'épisode précédent, entraîner, me récupérer. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, un petit, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai eu une incursion sur Facebook. Donc je vais soigner quand même, soigner mon Reptincelle parce que j'en ai besoin de ce petit-là. Le petit Potio. C'était le Major, hein. Ami avec qui je tournerai des vidéos, mais dès que je comprendrai le système du Roxio. Ah, c'est la dernière flamèche qui me reste. Ça me pose un souci. Est-ce que je n'ai rien pour soigner? PV plus, non, c'est pas ça. Non. Eh bien, on va faire simple. On va changer. Il y a une équipe qui est normale. Ou elle est normal ou type électrique ici dedans? Bonne question. Bon, on va tester avec Boostiflore alors. Hein. Alors, si jamais vous posez la question, non, je ne pense pas faire évoluer Boostiflore. Parce que je l'aime bien en Boostiflore. Parasport, ça va m'aider. Ça marche pas, super. Bon, ma Foilian. Pas mal. Aïe 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 aïe, survie, survie, survie. Ouais, ça va. Ça, c'est pas bon par contre. Bon, bah, Boostiflore, merci d'être venu. On va quand même tester. Hein. On lui laisse pas le temps d'attaquer. Comme ça, on est tranquille. Alors. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme ce que tu me donnes comme XP. Hein. Bon, on va aller soigner tout ça. C'est pas accélérer le jeu, dommage. Ah là là. Que d'émotions. Major Bob, je pense qu'il est niveau 26, donc. Si je ne me trompe pas, hein, j'en suis même plus sûr depuis le nombre d'années que j'ai joué à ces versions-là. Hop, super pêche. À bientôt. Ah, je veux pas refaire un quel bête type. Retour. Bon, teste pas. Teste pas. Bon, allez, on va tester. Vraiment pour le fun, on va. Da. Fuck. Ouais. Il me faut coupe. Où est-ce que je l'obtiens lui déjà? Pooh. It's a problem. Pooh. Alors. Où est-ce que je trouve coupe?
Damn it. Je ne sais plus du tout où je trouve Coupe. Ça c'est réellement un souci. Je vais retourner voir. Pour aller à Safrania. Je peux pas passer parce que l'autre a soif. Ce qui est bien, c'est que les deux ont soif, celui-là et celui du dessus. Oh mince. Fuck it, je sais plus du tout. Oh merde, misère. C'est vraiment un problème de ne plus se souvenir. Vous allez me dire, oui, Alzheimer commence, hein. Coupe. Eh bien, je vais faire une petite pause et je vais aller voir sur internet parce que je ne sais absolument plus. Donc, à tout de suite. Re les amis, bon voilà, j'ai trouvé, mais je suis revenu à Azuria pour rien. Hein, car ce n'est pas Azuria. Il faut que je retourne à Carmin-sur-Mer. Mais tant que je suis là, je vais profiter pour voir si la demoiselle veut bien enfin bien me donner son maudit bulle bizarre. Parce qu'en fait, elle ne me le donnera que si Pikachu m'aime suffisamment. Donc voilà, j'ai soigné ce bulle bizarre et il faut maintenant un bon dresseur. J'en suis un. Ouais, Pikachu saute dans tous les sens, il m'aime quand même. Bah non. Est-ce qu'en parlant de Bulbizarre, est-ce qu'il va montrer qu'il m'aime lui? Non, toujours pas. Donc on va retourner à Carmin-sur-Mer, on a déjà... Passez-moi l'expression, on a déjà niqué la moitié du temps. Donc quelques combats, et on va commencer donc la suite de l'aventure principale. Ah oui, sorry, on n'est pas dans Pokémon G, mais il faut que je repasse par là. Oh bah non, que je suis bête tant que je suis là. Je peux aller faire un petit truc qui sera pratique. Yop. Bichour, monsieur. Moi, avoir bon commande. Moi, vouloir bicyclette. Pas voler. Moi, vouloir officiellement. Oui, alors, je fais l'accent arabe. C'est pour le cliché. Ça n'a rien de raciste ou quoi que ce soit. Oh d'accord. Il n'y a même pas moyen de la signer. On va voir ça tout de suite. Ah, chouette. La super musique de Pokémon. Alors je crois pas que... Non, il n'est pas assignable. Donc c'est pas le mettre sur les touches. Alors la CS1 coupe. Internet m'a aidé, mais je m'en suis rappelé en même temps. Nous est donné par le capitaine de l'océan, si c'est bien cela. Il nous a donné dans l'océan, et je pense bien que c'est par le capitaine en le soignant, en le tapant dans le dos. C'est beaucoup de manip pour rien, mais au moins on va beaucoup plus vite. Donc on va aller se farcir la team croquette dans l'océan. Bienvenue à bord de l'océan. Mon pass est... Alors faut qu'on m'explique. Montre le pass et crâne à mort. Quoi, ah, il crâne dans le style, dans le... Oui, ok, il crâne... Crâne dans le style, ouais, il se la pète. Ok, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Et crâne à mort. Je comprenais pas ce que venait de foutre un crâne dans cette histoire. Merci, bienvenue à bord. Bon. Provoquer en duel. Bon, voilà.
J'ai une méthode bien particulière pour faire la les trucs de la les cabines. Je les fais toutes dans l'ordre en fait. Brap, et puis en dessous, brap, dans l'autre sens. Mes Pokémon sont mes amis. Forever alone. Gentlemen, forever alone. Ouais, Caninos, je n'ai pas de Pokémon flotte. Non, là. L'idéal qu'on... Je vais garder un peu Reptincelle et je vais faire des griffes. On va le monter un petit peu. Ouais, ça va. Ah, c'est un coup critique. Ouais, ça peut encore passer. Donc, on va se farcir l'océan pour... choper la CS1 coupe. On n'a pas le choix. Il faut que je la fasse. Car sinon, bah, pas de Major Bob, pas de centrale et pas d'avance dans l'histoire. Donc, niveau 20. Bon, on va continuer. Ça a l'air de marcher. Donc, Caninos. Si j'en croise un, j'en capturerai bien un seul, enfin un pour l'avoir et je le nommerai Fukano dans l'honneur de Fukano justement qui m'a donné envie de faire de tourner mes vidéos. C'est lui qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans les vidéos, donc en son honneur, même si je doute que un jour il puisse regarder mes vidéos, je lui montre ça en son honneur. J'aurais peut-être dû appeler mon sablette que j'ai capturé Siphano. Vu la réaction qu'il a chaque fois en voyant un sablette. Oh, un sablette! Je vous invite à voir son let's play sur Pokémon Bleu ou Pokémon Argent, je ne sais plus. Enfin, j'ai regardé les deux vidéos, les deux séries de vidéos, mais je ne m'en souviens plus. Il a commencé aussi. Au moment où je vous parle, il vient de commencer un let's play sur Pokémon Ruby. Faudrait que je regarde, tiens. Mais bon, ces épisodes d'une heure à chaque fois. Excusez-moi, petit coup de fatigue. Nid de rang femelle. Bon, bah, on va te cramer aussi, hein. On va te faire retirer dans les flammes de l'enfer. Alors, niveau 21, bah, c'est cool. En plus, je me fais bien des trucs. Alors, cabine numéro 3. Une fille. Ça va, amenez-moi. C'est une tarte dans ta gueule que tu vas prendre. Je ne suis pas un serveur. Mais amenez-moi une tarte aux poires. Mais une tarte aux pêches que tu vas te prendre, oui. Tu vas te prendre une salade de phalange. Je vais te demander d'où elle vient. Non, mais oh, mais comment elle se me parle celle-là? Je voyage toujours avec gros doudou. Pokémon désagréable. Quoi c'est tellement romantique. T'es avec ta femme ou ta fille? Et vu vos tronches à tous les deux, mon avis, tu dois être un pote à pédobir, toi. Et grand doudou, il est là pour... pourquoi? Moi, je veux même pas savoir ce que vous faites avec grand doudou. Oui, bah, y a une connasse là-bas qui veut une tarte aux poires. Alors, va lui apporter avant que je mette une salade de phalange. J'ai déniché ces Pokémon un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce que tu fous que le train dans un bateau alors? Explique-moi. Ces Pokémon un peu partout dans le monde, t'en as deux, ma fille. Un Roucoule. Excuse-toi, mais le Roucoule, je le trouve facilement en bourre-palette là d'où je viens. Donc, je vais le retirer. Ça fera un poulet grillé.
Et on pourra se faire un petit festin sur son cul. Sinon, pour l'avenir des vidéos, eh bien, au moment où je vous parle, j'ai trois séries en cours, Minecraft, Final Fantasy Tactics Advance et Pokémon Jaune. Je ne lancerai peut-être pas d'autres vidéos parce que pour l'instant, parce qu'il faut terminer ces vidéos-là. Et vu que je me lance à fond dans chacune des séries, Pokémon, je vais faire tous les badges, les entraînements, la ligue. Donc j'ai énormément de travail. Je vais pas faire à l'arrache comme. Enfin à l'arrache. Je vais pas faire badge par badge entre guillemets comme Sifano. Où je ferai des entraînements en off. Non non, je fais tout en on. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Final Fantasy Tactics Advance. J'ai un ami sur un forum, il m'a dit que lui il en avait plus de 300 heures de jeu. C'est également mon cas. Ce qui fait énormément d'épisodes. Parce que je compte bien faire toutes les quêtes que je trouverai. À raison d'une quête par une à deux quêtes par épisode, ça fait facilement 150, 200 épisodes. Donc c'est un gros truc que j'ai prévu de faire. J'aurais peut-être pas dû commencer par si gros pour familiariser, enfin fidéliser pardon les viewers que vous êtes. Mais bon. J'ai directement pris un jeu qui m'a plu moi dans ma plus jeune enfance. Enfin enfance. J'avais quel âge moi au final? Je crois que je regarde une fois la date. La date de sa sortie. Mais j'étais déjà dans la fin de primaire. Enfin. Ouais, fin de primaire facilement. Donc enfin. Je sais pas comment vous appelez ça en France. C'est rien, je te soignerai après. Donc fin de primaire, oui, donc ça fait un moment que c'est sorti, mais bon, ça n'a rien empêché que j'ai poncé le jeu. Oui non, c'est dans les années 2000, début des années 2000, je crois qu'il est sorti Final Fantasy Tactics Advance. Ouais, parce que je me rappelle à l'école où j'étais, ouais, avec un pote, on s'échangeait des items entre les cours. Ah, la bonne vieille époque. Je vais peut-être soigner tout de suite mon reptincelle. Toujours acheter des antidotes, c'est toujours pratique. Ouais, oui, donc dans les années 2000. Donc ça quand même, ça remonte. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures dessus. Donc je compte bien vous en faire profiter à vous aussi. Mais j'augmenterai peut-être la taille des épisodes, les passer de 25 à 30 minutes. Parce que 5 minutes gagnées, bah, c'est... je suis de l'Interpol, je suis sur la trace de la Team Rocket. Chute, bah cool. Donc comme je disais, j'y ai passé des heures et des heures et des heures aussi dessus et je compte bien vous en faire profiter. Oh, les cuisines, je me rappelle plus qu'on pouvait y avoir accès. Dégage, mais t'es qui pour me parler comme ça toi? Donc je compte bien faire toutes les quêtes que je trouverai. Je vais la récupérer la boule bizarre. Pauvre petit. Et donc, je me répète, mais... ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Une super ball, j'ai plus de place dans l'inventaire. T'es sérieux? L'inventaire est limité, bah hop, utilisé. Reptincelle. Donc je ferai toutes les quêtes que je trouverai, il y a beaucoup d'épisodes prévus. Donc c'est aussi un gros truc. Pokémon, ben, je vais faire toutes les badges, toute la ligue pour faire tout, vraiment pour faire le jeu à fond. Sinon, est-ce qu'il y a rien de l'autre côté à aller voir? Bon, allez, on va toujours jeter un œil, c'est jamais perdu. Donc je vais tout faire et puis je passerai à d'autres jeux, mais si je lance plusieurs séries en même temps, ça va être le bordel. Là déjà avec les 3 que j'ai, c'est déjà limite. Parce que tourner tout... bouge toi Pikachu. Ça va me poser réellement un souci. Hop, Pikachu. Potion max, super.
Non, je vais tout faire et puis j'entamerai d'autres jeux, mais si je lance trop de jeux en même temps, entre les différents tournages, je ne suis pas tout le temps chez moi, donc il faut que je puisse tourner, passer mon week-end à tourner tout, à filmer tout, à monter, c'est dur. Et puis, je préfère d'abord terminer ce que j'ai commencé avant de me lancer à d'autres choses. J'ai pas envie de commencer à me disperser dans plein de trucs. À lancer 5 séries en même temps, j'ai un ami, j'ai Xdrian33 qui l'a fait pendant tout un temps. Il y avait 4 séries, je crois, sur sa. 4 ou 5 séries sur sa semaine de prévu en sortie. Je trouve ça énorme. Déjà, moi, 4 ici avec Minecraft, Titan Quest, Final Fantasy et Pokémon. Je trouve que c'est déjà énorme. Surtout que Minecraft et Titan Quest. J'interchange. Oh, je parle et je vois même pas le temps. Donc je continuerai ça au prochain épisode. On termine ce combat-ci et puis on se laissera. Bon, voilà, c'est réglé. Hop là. Alors merci les amis. On va quand même se laisser parce que ça fait quand même 26 minutes sur mon chrono. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ça fait plaisir d'avoir du monde qui me suit et de voir que vous appréciez mon boulot. Si la vidéo vous plaît, comme toutes les autres, un petit j'aime me fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours ça de prix pour moi. Faites tourner la chaîne, c'est le principal, c'est comme ça que je me fais connaître, c'est en faisant tourner la chaîne. Donc, si vous, c'est grâce à vous si je suis que ça, si je peux être connu auprès d'autres viewers. Donc faites tourner ma page, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les amis.